Bonjour, bonjour à tous. Bonjour, encore un petit live improvisé. Voilà. Bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. Alors, aujourd'hui, c'est un peu spécial parce que je vous demanderai, s'il vous plaît, de ne pas me tenir rigueur parce que je partage avec vous une canalisation, enfin, je dirais pas une canalisation, un message, voilà, un message que j'ai reçu. Coucou Maggie, bonjour, j'espère que ça va. Voilà, donc, bonjour. Bonjour Laurent. Aujourd'hui donc, c'est pour vous faire part d'un message que j'ai reçu ce matin, vers 11h, entre 11h30 et midi et quelques, voilà. J'ai reçu ce message et j'en reçois beaucoup en ce moment, mais la plupart, bon, c'est des messages, des questions que je me pose moi personnellement. Mais là, j'ai senti que ça s'adressait à tout le monde. Enfin, à tous ceux qui écoutent cette vidéo ou qui l'écouteront. Et je pense que ça va résonner pour certains. D'autres vont se demander de quel charabia je parle et qu'est-ce que je veux bien dire par là. Mais je pense que de toute façon, ça parlera. Ça parlera, il y aura une résonance. Parce qu'il y en a une en moi, donc je pense qu'il y en aura une en vous. Par contre, je vous demande, là où je vous demande de m'aider, en fait, c'est de comprendre que lorsque j'ai donc reçu le message, ça parlait tellement vite que j'ai dû, ben, je devais écrire relativement vite. Et donc, j'ai un peu de mal à, j'ai sûrement un peu de mal à me relire parce que tout à l'heure, je l'ai lu, ça m'a beaucoup touchée. Mais j'avoue qu'il y a des mots que, waouh, ça va tellement vite, je ne sais pas pour ça. S'il y en a parmi vous qui canalisent, mais quand ça descend, c'est tellement vite, il faut écrire vraiment vite, ou alors il faut enregistrer, ou il faut faire quelque chose, mais ou alors dire stop, attends, j'ai fini d'écrire, on en reparle après. Donc, moi, quand je canalise, c'est plutôt, bah, c'est l'esprit du grand tout. C'est l'esprit du grand tout. Parce que je lui ai demandé, forcément. Et alors, alors, je vous fais part de. Attendez, je vais chercher l'autre. C'est sur l'autre cahier. Ah, j'ai été le chercher à Tataouine alors qu'il était juste à côté. Enfin, je pense. Non. Voilà. Ça y est, j'y suis. Donc, comme je vous disais, j'ai posé la question. À l'esprit que je canalisais, parce que ben, je veux quand même savoir, même s'il est toujours très bienveillant, je voulais quand même savoir à qui je m'adressais, parce que entre les anges, les archanges, Jésus et tout le reste, ben, moi je voulais savoir à qui je m'adressais et à qui je parlais.
Et donc, j'ai posé la question. Bon, il faut que je vous trouve la question. Voilà. Alors, le samedi 26 décembre, vous voyez, ça va pas, ça remonte à quelques jours. Alors, j'ai dit, bonjour, esprit, qui es-tu? Et voici sa réponse. Je suis qui tu veux que je sois. Je pourrais te dire que je suis un ange, un archange, un guide, et bien plus encore. Néanmoins, nous sommes tous esprits. Ce ne sont que les noms qui changent, l'esprit est le même. C'est-à-dire que ce soit l'archange Michael, que ce soit Jésus, que ce soit Marie, que ce soit qui que ce soit, en fait, c'est un seul et même personnage qui parle et qui intègre en fait, qui parle par l'énergie de ces personnes, soit pour se faire mieux comprendre, soit pour diverses raisons en fait. Il parle, bon après on dit tiens j'ai canalisé Jésus, j'ai canalisé Marie, j'ai canalisé les archanges. En fait, on canalise l'énergie de Marie ou l'énergie de Jésus ou l'énergie des archanges. Ceci étant, ce n'est jamais que l'esprit du grand tout qui parle. Donc, je vais vous dire ce que j'ai donc reçu comme message ce matin. Vous me direz après si ça vous parle ou si ça ne vous parle pas. Non, l'esprit. Le moment n'est pas venu d'agir. Pour le moment, vous devez penser à vous en premier. Profitez de ces moments où vous ne pouvez pas sortir pour aller au fond de vous et nettoyer toutes fausses croyances limitantes, vos émotions de colère, de peur, de frustration. Par exemple, si vous avez une colère qui vous vient, demandez-vous quel événement ou quelle action a provoqué en vous ce sentiment. Je vous entends déjà dire que des événements pouvant provoquer la colère en ce moment, il y en a plein. Néanmoins, chaque situation est le reflet de quelque chose en nous à nettoyer ou en vous. Pour les enfants, n'ayez pas peur et envoyez des affirmations positives les concernant. Vous avez en ce moment le port du masque pour les enfants qui fait grand bruit et c'est normal. C'est pour cela qu'il faut envoyer des affirmations positives. Par exemple, j'affirme par ma pensée créatrice que mon fils ou ma fille ne souffrira pas de ce masque, qu'il ou elle restera en bonne santé, ainsi soit-il. Beaucoup d'entre vous se soulèvent en ce moment pour aller manifester dans la rue. Si l'on ressent l'appel, cela est bien, à condition que cela se fasse pacifiquement, sans heurts ni violence. Vous êtes des guerriers pacifiques, ne l'oubliez jamais. Pour d'autres, le travail sera plus discret, voire même imperceptible. Pour d'autres, le travail sera discret, voire même imperceptible pour certains. Malgré tout, il se fait quand même. Car si vous vivez votre vie dans l'amour, la joie, le partage, vous faites déjà briller votre lumière. Pourquoi ne pas écouter de la musique qui vous met de bonne humeur et qui en plus fera monter vos énergies? Plus la musique fera bouger votre corps, plus celui-ci fabriquera des molécules du bien-être et plus vous serez heureux. Sachez que le bonheur est en opposition à la peur. En résumé, faites ce qui vous fait plaisir, de la cuisine, des coloriages, du dessin, du tricot ou encore apporter votre aide à votre entourage. Tout cela fait partie du processus. Aujourd'hui, les temps vous invitent à observer ce qui se passe, à en prendre conscience sans vous y attarder.
Soyez juste des observateurs du film et non pas les acteurs. Comme je vous le disais, le temps n'est pas encore venu pour tous d'agir concrètement dans la matière, mais plutôt dans la spiritualité. Entraînez-vous à faire briller votre lumière dans les vibrations hautes. Alors, il m'a fait mettre des guillemets. N'allez pas voir ce qui se passe chez votre voisin. Fermez les guillemets. Ce que je veux dire par là, c'est que vous voulez quitter ou plutôt changer ce monde. À partir du moment où vous vous focalisez sur le monde que vous voulez voir venir, n'allez pas voir ce qui se passe dans le monde que vous ne voulez plus. Faites plutôt vivre le monde que vous voulez et ne donnez plus vie à celui qui s'en va. Le moment venu, tous les travailleurs de lumière auront un travail à faire concrètement. Si je dis travailleurs de lumière, cela n'a rien de péjoratif. Cela veut simplement dire que certains d'entre vous devront aider concrètement ceux qui comprendront au dernier moment ce qui se passe. En les aidant à ce moment-là, vous les éveillerez à la lumière divine et ferez ainsi de ces êtres des êtres de lumière, car vous aurez réveillé leur soi supérieur à chacun. Ainsi, le monde de demain sera rempli d'êtres bienveillants et lumineux. Il ne peut en être autrement, car tel est le plan divin. Quoi qu'il arrive, quoi que l'on vous dise, quoi que vous entendiez, qui viennent de ce monde qui se meurt, n'en tenez pas compte. Il est bon que vous observiez, mais que vous n'y adhériez pas. Gardez la foi, la confiance dans le plan qui se déroule sous vos yeux, mais beaucoup n'en sont pas encore conscients. En vérité, je vous le dis, tout est déjà prévu. N'ayez crainte, vivez votre vie et soyez heureux. Soyez unis en famille ou entre amis. Redevenez des enfants insouciants et remplis de joie et d'amour. On vous aime et on vous protège. Faites confiance à la lumière divine et allez en paix. Très chers frères et sœurs, je vous aime. Merci, merci, merci. Voilà donc le message que j'ai reçu ce matin. Je ne sais pas comment vous allez pouvoir le voir ou le ressentir. Chacun aura sa façon de ressentir. Évidemment, quand on fait des canalisations comme ça, il faut tenir compte des filtres de chacun, des croyances de chaque canal, parce que personne n'est parfait. Et donc, même ceux qui reçoivent des messages ont des filtres à évacuer. D'ailleurs, le travail ne s'arrête jamais de notre vivant. Nous sommes toujours en plein travail. Et de ce fait, les messages se font en tenant compte de la personne qui les reçoit. Donc, j'ai reçu ce message. Peut-être que quelqu'un d'autre aura reçu le même message, mais qu'il l'aura exprimé différemment. Tout dépend donc de chacun. Voilà mes amis, j'espère que c'est la première fois que je transmets un message comme ça et sérieux, ça me... Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le en commentaire si vous voulez, mais je suis très émue parce que c'est la première fois que j'ai un message global à envoyer, en fait. Et je pense que je remercie le ciel, je remercie l'univers, je remercie de m'avoir accordé la chance de pouvoir vous transmettre ce message qui, j'espère, vous aura aidé, vous aura... je suis tellement émue, je trouve même pas mes mots. Vous aura aidé et à mieux voir et à mieux comprendre pourquoi on est plusieurs groupes en fait,
Il y a ceux qui agissent, qui agissent, hein, comme ceux qui font des manifs, etc. Et puis, il y a ceux qui restent plus chez eux, qui travaillent plus côté spirituel, qui travaillent plus leur intérieur, qui travaillent plus sur eux. Et du coup, ils pourront aider le jour où il y aura vraiment besoin d'aider chacun d'entre nous, parce que même ceux qui font le travail sur eux, je pense, auront besoin d'être aidés aussi. Enfin, on aura tous besoin les uns des autres, c'est pas compliqué, c'est comme ça, hein. Que l'on soit messager ou médium ou quoi que ce soit, je pense qu'on aura tous besoin les uns des autres pour comprendre, pour aider, pour partager. On aura tous besoin les uns des autres. Donc, il n'y a pas de niveau plus élevé les uns que les autres. Il y a juste à être et à accepter ce que l'on est, à accepter comme on est, à s'aimer comme on est et à partager ce que l'on peut ou doit partager. Et parce qu'en partageant des messages, c'est aussi une façon d'aider. C'est aussi une façon d'inciter les gens à garder la foi, à garder l'espoir, à garder la confiance. Et j'allais dire dans un futur proche, mais en fait, le futur se fait à l'instant présent. Le passé, c'est du passé, on n'en parle plus. Mais le futur n'est pas encore là. Donc, à partir de l'instant présent, là, maintenant, de l'instant T, on peut changer le futur selon nos idées créatrices et divines. À partir de ce moment, nous pouvons créer diverses lignes de temps, d'espace-temps, ou de dimension, comme vous voulez, selon ce que l'on fait vivre, selon ce que l'on veut, selon ce que l'on peut faire, selon le travail qu'on aura accompli sur soi-même. On peut faire vivre plusieurs, on peut créer, pas faire vivre, on peut créer plusieurs dimensions ou espace-temps où il ne se passera pas la même chose dans l'un que dans l'autre. Ouais, ça peut paraître bizarre comme ça à parler, hein. Vous allez dire que je suis fêlée, ça y est, j'ai vrillé. Mais non, c'est comme ça que je le vois. Je pense que selon notre façon de voir le monde dans le futur, nous pouvons le créer. Et tous ceux qui voient le monde de la même façon, se réuniront dans ce monde. Parce que on aura tous fait le travail dans cette direction. Après, c'est bien, on veut un nouveau monde, mais qu'est-ce qu'il y aura dans ce monde? Comment il sera fait? Est-ce qu'on va retourner au Moyen Âge? Est-ce que ça sera un monde hyper, super évolué? Ou grâce à des technologies que nous n'avons pas encore à notre portée, mais qui le seront bientôt, on pourra faire des choses magnifiques sans faire du mal à la planète, sans que celle-ci en souffre, sans que les animaux en souffrent. Et tout ça sera d'un naturel, naturel, complètement naturel, j'ai envie de dire. Ça sera d'une logique sans nom, puisque premièrement, nous l'aurons décidé, et deuxièmement, c'est le plan. C'est le plan. Donc, vous savez que la Terre, elle monte en vibration, que du coup, nous, on monte en vibration aussi, ce qui nous provoque certains désagréments, que ce soit physique, que ce soit mental, que ce soit psychique, etc. Parce que notre corps physique, nos corps, pardon, spirituels, s'adaptent, se réadaptent, même si notre âme est déjà au courant de ce qui se passe et de ce qu'il en est. Notre corps physique, lui, ne l'est pas. Donc, il s'adapte à la situation, tant bien que mal. Donc, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide à la source, à l'univers, à ce en quoi vous croyez. Demandez de l'aide de façon à rendre votre corps plus fort pour accepter, accueillir toutes ces nouvelles énergies qui arrivent actuellement, qui sont déjà là depuis un moment,
mais qui continue d'arriver beaucoup, beaucoup, beaucoup et très puissante. Et donc tout cela pour faire avancer et pour faire évoluer la planète dans le bon sens. Du coup, bah, nous, bah, soit on suit, auquel cas bah, on vit quelques désagréments et après on sera tranquille. Soit on ne suit pas, on reste dans ce monde 3D, d'illusions, de yin et de yang. Et bah, du coup, tout va très bien, il n'y a pas de souci. Hein. Il y a des gens qui ne voudront pas ascensionner parce que ça fait peur. Ça fait peur parce qu'on quitte un monde qu'on connaît plus ou moins, hein, pas, plutôt moins que plus, parce que c'est quand même plein de mensonges et d'hypocrisie, mais un monde auquel on était habitué, on va dire, pour un monde qu'on ne connaît absolument pas. Absolument pas. On n'a jamais vécu dans ce monde de notre vivant. Donc on ne sait pas où on va, on ne sait pas comment ça va se passer, on ne sait pas. On ne sait pas comment on va le vivre, comment ça va se passer. Et donc, c'est sûr que ça peut faire peur. C'est sûr que ça peut faire peur. C'est sûr que certaines personnes ne voudront pas suivre le mouvement vers la lumière et préféreront rester dans le plan 3D parce que c'est un plan qu'ils connaissent. Et il n'y a pas de mal à ça. Il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de critique à avoir. Il n'y a rien du tout. Il y a juste à accepter le fait que certaines personnes veulent monter, veulent évoluer, veulent aller vers la lumière, qu'ils en ont marre d'un monde où il n'y a que guerre, famine, colère, destruction, destruction. On détruit les animaux, on détruit la planète, on détruit tout, c'est une horreur. Et nous, les êtres humains, à la base, les humains, on n'est pas comme ça. Puisqu'on a l'état divin en nous, on n'est pas comme ça. Donc, il y en a marre, il y en a assez. Moi, personnellement, je vous dirais, j'en ai ras-le-bol de ce monde. J'en ai ras-le-bol de. Ah, oh, bonjour tous ceux qui sont venus. Bonjour Thierry. Bonjour David. Bonjour Laurent. Et moi, personnellement, ce monde commence à me fatiguer, sérieusement. Et je m'accroche. Je m'accroche à mon état spirituel, je m'accroche au grand tout, je m'accroche à la confiance que j'ai en l'univers, à ma foi envers et contre tout. Je m'accroche à tout ça parce que c'est vrai que c'est des temps qui sont très compliqués et c'est pas facile à gérer tout le temps pour tout le monde et pour qui que ce soit. Hein, celui qui vous dit que comme bon, je l'ai dit à un moment, mais du coup, je revois un petit peu ce que j'ai dit. À un moment, j'ai dit, je ne me sens pas du tout ou plus du tout impactée par ce qui se passe dans le monde actuellement. C'est un fait. Je ne me sens pas impactée. Néanmoins, je garde l'empathie et comme quand je regarde un film, je dis, ah oh, mince, oh mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Oh mais c'est pas bien, c'est dommage et tout. Mais je ne rentre pas dedans, ça reste extérieur. Et c'est comme ça qu'on doit vivre dans ces temps, c'est-à-dire regarder. Ah, évidemment, il y a des scènes qui vont vous procurer de la colère, il y a d'autres qui vont vous émouvoir, il y a d'autres qui vont vous provoquer de la haine, mais ce ne sont que des émotions passagères. Et là, dans le monde actuellement, ce qu'on vous demande, c'est que vos émotions ne restent que passagères, que vivez-les. Intégrez-les et transmutez-les en lumière. Surtout si elles sont négatives, si c'est de la colère, de la haine, de la peur. Toutes ces énergies-là, acceptez-les parce qu'elles sont là. Quelque part, elles vous appartiennent. Acceptez-les, transmutez-les et renvoyez-les dans la lumière. Parce que si vous ne les acceptez pas, ben, vous n'aurez pas fait le travail que vous êtes venu faire ici en vous incarnant. Donc, il faut absolument accepter toutes vos émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Si elles sont positives, c'est très bien. Alléluia, c'est très bien. On prend, on prend, on prend, on prend, on prend. Si elles sont négatives, il faut quand même les accepter, savoir ce qu'elles font ressortir en nous, en quoi elles résonnent, pourquoi est-ce que ça nous met dans des états pareils, des états de colère, des états de frustration.
aller chercher au fond de nous ce que ça nous rappelle, à quoi ça nous amène, et puis comprendre le processus, comprendre le processus et changer tout ça, accepter, dire oui, effectivement, il y a ça. L'acceptation, j'accepte. J'accepte le fait que je suis en colère, j'accepte le fait que je ne me sens pas bien aujourd'hui, j'accepte, j'accepte. À partir du moment où vous acceptez, vous avez déjà fait un pas. Après, quand vous acceptez, vous allez dans votre cœur et vous transmutez. Vous transmutez ces énergies. De toute façon, à partir du moment où déjà vous y accordez votre attention, déjà c'est un grand pas en avant. Surtout, ne les ignorez pas, ces émotions. Parce que souvent, on se dit, c'est bon, je mets ça dans un sac au fond du panier, et puis on n'en parle plus, je les cache, et c'est fini. Et en fait, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Et il faut justement les laisser remonter. Si vous êtes vraiment trop en colère, bah, faut pas hésiter à. Bah, vous prenez un coussin ou un torchon, vous tapez dedans, vous tapez dedans. Alors, faut pas vous faire mal. Alors, certains disent, oui, moi, je vais dans la forêt et je tape les arbres. Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait les arbres pour que tu ailles les taper? Oh, sérieux? Non, il faut pas taper les arbres, il faut pas taper la nature. Hein. Pourquoi vous taperez la nature? Est-ce que la nature vous tape? Et pourtant, elle aurait des raisons, parce que des raisons d'être en colère et de se venger, elle en a. Mais elle ne peut pas, parce qu'elle n'est qu'amour, elle fait partie du divin, elle fait partie de la création divine. Donc, elle n'est absolument pas méchante avec vous. Au contraire, elle nous donne à manger, elle nous donne à boire, elle nous donne de quoi nous protéger. C'est une vraie mère pour nous, la nature. Donc, on ne va pas taper un arbre parce qu'on est en colère. Donc, vaut mieux. Et puis, en plus, sans compter que, en contrepartie, si vous tapez un arbre parce que vous êtes en colère, vous risquez de vous faire du mal. Donc, vous serez doublement en colère. La première colère qui est due à on ne sait pas quoi, et la deuxième qui sera due au fait que vous, en cognant sur l'arbre pour vous défaire de la première, eh ben, vous en avez pris une deuxième par-dessus le marché. Voilà. Comme ça, vous aurez gagné le gros lot. Non, en fait, ce qu'il faut, c'est si vous avez besoin de taper quelque part, taper sur un coussin, quelque chose qui ne vous le rendra pas, quelque chose qui est immatériel, qui n'est pas, même si vous tapez dessus pendant des années, ça ne va pas vous faire du mal. À la limite, il va se décomposer, mais c'est tout. Ça ne va pas vous faire du mal, ça va vous faire du bien, ça va soulager votre colère, et lui, en contrepartie, ne ressentira rien. Donc, voilà, tout va bien. Mais la colère, il faut la sortir. Il faut la sortir, mais vous pouvez la sortir aussi d'une autre façon, c'est-à-dire que vous pouvez aussi en chantant, vous savez, vous avez des musiques un peu africaines, zoulou, etc., et faire sortir la colère en chantant par des. Vous savez, je repense à des chanteurs qui crient dans leur chanson, poussent des cris, des. Ah! J'ai mon chanteur préféré. Hein. Le chanteur de mon enfance, c'était Michael Jackson. D'ailleurs, j'ai les mêmes. C'est marrant parce que j'ai les mêmes initiales que lui. Bref. Et j'adorais ça parce que dans ses chansons, il poussait des cris. Vous savez, c'était un peu comme des chamans ou un peu comme des guérisseurs ou des choses comme ça. Dans ses chansons, il pousse des cris. Et quand il pousse des cris, si vous faites pareil, on part sur la même symbolique. Si vous faites pareil, vous êtes en train de chanter, vous êtes en train de danser, vous êtes en train d'écouter une musique où wow, ça bouge, ça fait du bien. Et quand vous sortez les cris, sortez-les et évacuez votre colère avec ces cris. Vous êtes dans la joie, vous êtes dans le bonheur et la bonne humeur et tout. Et à ce moment-là, faites sortir, si vous faites comme la chanson, vous partez dans cette foulée et que vous envoyez vos cris, faites sortir votre colère à ce moment-là. Évacuez votre colère en criant. En criant, tout simplement. Ah oui, vous n'allez pas crier de votre balcon ou de votre appartement, parce qu'on va vite appeler les gendarmes en disant, il y a un fou là, il faut absolument l'enfermer là. Déjà qu'il ne faut pas grand-chose pour être enfermé de nos jours, alors si en plus on leur donne le bâton pour se faire battre, vous comprenez bien que ce n'est peut-être pas la bonne solution. Mais pourquoi pas chanter? Pourquoi pas crier en chantant? Pourquoi pas vous exprimer? Exprimez-vous! Comme disait le message, exprimez-vous, redevenez des enfants, redevenez ces êtres insouciants. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on va vous demander dans le monde qui s'en vient, c'est de redevenir des enfants, c'est-à-dire redevenir insouciants. Qu'est-ce qu'on faisait quand on était jeune? Nos parents nous disaient, surtout, va pas dans la flaque d'eau. La première chose qu'on faisait, c'était d'aller patauger dans la flaque d'eau.
Bon, c'est pas grave, c'était bien, c'était chouette. Hein. Il y avait l'eau qui clapotait comme ça, c'était génial. Ou alors, tu ne roules pas par terre, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on se roulait par terre. Parce que le contact avec la terre, on en avait besoin, mais on en a toujours besoin, sauf qu'on nous a coupé de ce contact. Mais on en a toujours besoin. Pourquoi croyez-vous qu'en spiritualité, on vous dit souvent, ancrez-vous, ancrez-vous? C'est parce qu'on a besoin de ce contact. Mais vous avez des rituels pour pouvoir vous ancrer. Mais rien que le fait de marcher pieds nus, déjà, c'est de l'ancrage. Si vous vous allongez par terre, si vous jouez avec votre fils ou avec votre fille, que vous vous allongez par terre et que vous jouez avec lui ou avec elle, déjà, ça, c'est de l'ancrage aussi. Si vous dansez, si vous chantez, vous vous ancrez quand vous chantez, quand vous dansez. Quand vous dansez, vous vous ancrez. C'est pour ça qu'il y a les footballeurs qui font leur danse haka, pas les footballeurs, les rugbymen qui font leur danse haka, mais c'est une façon de s'ancrer aussi. Ils tapent sur la terre, ils tapent sur la terre, ils envoient des vibrations, ils envoient de l'énergie, ils tapent. Et ça, c'est une façon de s'ancrer aussi. Donc vous avez plein de façons de vous ancrer, d'être en relation avec la terre, d'être en relation avec notre mère, Gaïa, on a plein de façons de le faire. Donc, ça n'en tient qu'à nous de prendre celle qui nous va le mieux. Moi, personnellement, marcher pieds nus et danser sur la terrasse, ça me va très bien. Ça me va très bien. J'ai les coloriages, j'adore ça. L'écriture, qu'est-ce que j'ai d'autre? Faire de la pâtisserie de temps en temps. Faisons ce qui nous fait plaisir. Parce que ce qui nous fait plaisir nous rend heureux. Ce qui nous rend heureux nous met dans la joie. Ce qui nous donne la joie nous donne de l'amour. Et donc, tout s'imbrique en fait. Tout s'imbrique. Laissons tomber la noirceur de ce monde. Laissons tomber tout ça. Et allons plutôt vers ce qui nous rend heureux. Ce qui nous met dans la joie. Ce qui nous met. Il faut qu'on se dise que ce qu'on vit actuellement, c'est passager. De toute façon, tout passe. Tout passe, tout lasse. Il n'y a rien qui perdure, il n'y a rien qui soit écrit sur la pierre. Au mieux dans les astres et encore, hein, mais il n'y a rien qui a écrit, qui soit gravé sur la pierre. Donc nous pouvons tout changer à tout moment. Il suffit de le vouloir et de le demander et nous pouvons tout changer. Après, si on le, par exemple, parce que il y en a qui m'ont dit, ouais, mais moi je demande, mais je n'ai pas été exaucée pour autant. Alors vous avez deux solutions. Soit ce que vous avez. Oh, c'est dyslexie, mais c'est une horreur. Excusez-moi, désolée. Soit vous demandez, mais vous ne demandez pas comme il faut, c'est-à-dire que votre demande est imprécise, elle n'est pas complète. Il faut que les demandes soient précises. Hein? C'est-à-dire si vous allez dans un restaurant et que vous demandez, oui, je veux une assiette de frites, ben, le gars, il va vous apporter une assiette de frites. Sauf que vous, ce que vous vouliez, c'est une assiette de frites avec votre steak, de la sauce, etc. Sauf que si vous lui dites, ouais, je veux une assiette de frites, le serveur va vous apporter une assiette de frites. Pour l'univers, c'est pareil. Si vous ne faites pas des demandes précises, vous n'aurez pas ce que vous voulez. Parce que, tout simplement, il n'aura pas compris ce que vous voulez. C'est tout, c'est tout, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Si vous faites des demandes précises, vous serez exaucé. Mais il y a encore une solution, il y a encore une raison pour laquelle vous n'aurez peut-être pas ce que vous voulez. C'est que ce n'est ou pas le moment de vous les accorder. C'est peut-être trop tôt. Donc, vous ne l'aurez pas tout de suite. C'est en cours, hein? La demande a bien été prise en compte, mais elle sera faite en temps voulu. Ou alors, vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt. Il faut encore faire du travail sur vous. Il faut encore nettoyer des choses, nettoyer. Il y a encore des choses qui frétillent, qui ne sont pas encore très claires et tout. Donc, il faut faire du travail sur vous, sur nous. Tous, parce qu'en fait, on en est tous là. Hein, il y a pas de personne. En fait, dans le nouveau monde, celui que l'on veut voir venir arriver, il n'y a pas de chef. On est tous au même niveau. On est tous au même niveau. Chacun avec ses capacités. Vous allez avoir le groupe des guérisseurs, vous allez avoir le groupe des travailleurs avec les plantes.
Alors, quand je parle de guérisseur, il y a aussi pas mal de branches dans le guérisseur. Il y a le guérisseur par énergie, il y a le guérisseur qui va guérir par les plantes, il y a toute forme de guérisseur. Et voilà, il y aura plusieurs groupes. Et tous ces groupes-là, eh ben, ils s'entraideront. Quand le guérisseur aura besoin d'autre chose, il ira voir le groupe dont il a besoin. Et ça sera un échange. Alors, je ne peux pas vous dire actuellement s'il y aura de l'argent ou pas. Je pense qu'il y aura une façon d'échanger, mais je ne suis pas sûre que tout de suite là, dans les années à venir, oui, l'argent va perdurer. Donc, plus tard, bien plus tard, je ne pense pas que l'argent continuera. Je ne pense pas. Je pense que ça sera vraiment un réel échange de savoir, de connaissances, de compréhension. Bien sûr que l'école va changer. On va remettre à jour nos livres d'histoire, hein, qui sont blindés de bêtises. L'école va changer, va radicalement changer. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Moi, j'ai l'image là, vous voyez, j'ai l'image d'un monde où il est rempli de technologies, mais en notre faveur. C'est-à-dire que ces technologies-là vont être bonnes pour nous, que ce soit au niveau médical, que ce soit au niveau des transports, que ce soit au niveau de l'agriculture, tout. Il va y avoir un monde, en tout cas c'est celui que je vois moi. Il va y avoir un monde rempli de technologies, mais pour que nous, on soit enfin libres. En fait, c'est des bonnes technologies, des technologies qui existent partiellement déjà aujourd'hui, même si on ne vous le dit pas, même si vous n'êtes pas au courant, même si on dit que c'est abracadabrantesque. Ça, c'est un mot de Chirac, je suis désolée, mais là, pour le coup, il est bien placé. Il y a des choses qu'on nous cache. Il faut que vous sachiez que ça se passe à tous les niveaux. Dans ce nouveau monde que nous voulons voir arriver, tout ça sera mis à jour. Donc forcément, ça sera un monde de technologie. Ceux qui vous disent qu'on va redescendre au Moyen-Âge, ce n'est pas vrai. C'est juste pas possible. C'est juste pas possible parce qu'avec toute la technologie auquel on va avoir droit, enfin technologie qui nous revient de droit, hein, que les gouvernements se sont un petit peu accaparés, beaucoup même, hein, se sont accaparés, mais qui nous revient de droit en fait. Toutes ces technologies-là donc feront que notre monde sera un monde rempli de technologies, mais des technologies qui seront pour nous en fait. Ça sera pour nous rendre service, pour qu'on ait plus de temps pour nous, pour qu'on ait plus de temps pour notre famille, pour nos amis, pour qu'on soit plus dans la joie, dans l'amour, dans le bonheur. C'est pour ça qu'elles serviront les technologies, pour qu'on soit moins malade, pour qu'on soit guéri plus vite, pour qu'on ait besoin de moins de médicaments et que les médicaments qu'on prenne, ce soit que des plantes, à base de plantes uniquement et pas de cochonneries comme on le voit de nos jours. Voilà à quoi ressemblera ce nouveau monde que nous voulons. Voilà à quoi il va ressembler. Parce que si on est logique 5 minutes, on se rendra bien compte qu'on ne va pas retourner au Moyen-Âge. C'est juste pas possible. Hein, vu à l'état où on est aujourd'hui, on ne va pas retourner au Moyen-Âge. Parce que y a derrière toutes les technologies qui vont nous arriver dessus. Moi, j'attends que ça. J'attends que ça. Rentrer, monter dans un lit qui va me scanner des pieds à la tête, qui instantanément va me dire quel est mon problème de santé, comment le guérir, comment va ma pression sanguine, comment se comporte, qu'est-ce que j'ai dans le sang, comment le soigner énergétiquement ou quantiquement ou peu importe, sans avoir d'influence négative sur mon corps, sur mes organes. Mais c'est un pur bonheur, c'est un pur bonheur. Et ça existe et on vous le cache. On vous le cache parce que en ce monde, eh ben, c'est l'argent qui prime, c'est l'argent qui gagne. Et si on n'apporte pas notre contribution au dieu argent, eh ben, on n'est pas, on est mis au rebut.
Et c'est justement ça qu'il faut enlever, c'est justement ça qu'il faut arrêter. Et donc, dans ce nouveau monde que l'on veut voir se manifester devant nous, nous aurons tout ça pour nous, pour notre bien, pour notre bien. Tout ce qui existe aujourd'hui ne va pas forcément disparaître. Beaucoup de choses vont rester, mais elles vont changer. Ça sera plus la même énergie, ça sera plus, elles seront plus du côté négatif, elles seront du côté positif. Donc elles travailleront pour la lumière et non plus pour l'ombre, si je me fais bien comprendre par certains. Parce que certains ne sont pas prêts encore à l'entendre et d'autres oui. Donc voilà. Et puis il y a des choses qu'on ne peut pas dire tout de suite. Donc ce que je vous dis là, c'est des choses que vous pouvez voir. Vous savez, il n'y a aucun problème, hein. Vous pouvez vous rendre compte que ça existe déjà, ce que je viens de vous dire en ce qui concerne la médecine, hein, parce que vous allez sur Internet et vous allez avoir toutes les informations. Hein. Moi, je ne vous raconte pas de. Si je vous dis ça, c'est parce que c'est un secret de Polichinelle, en fin de compte. Tout le monde est déjà au courant, enfin, ceux qui veulent l'être le sont. Et, mais bon, ils se sont dit, oh, mais on verra jamais ça. Mais si, vous verrez. Vous verrez. Vous le verrez parce que tel. C'est comme ça, au moment des révélations, quand il y aura les grandes révélations, ce qui ne saurait tarder, peut-être bien dans le courant de l'année prochaine, voire 2022, puisque beaucoup de personnes disent que dans 5-6 ans, on devrait commencer, on devrait voir le début de notre nouvelle ère. Donc 5-6 ans, c'est pas long, hein? Avant, c'était 30, hein, donc c'est pour vous dire que l'espace-temps a quand même drôlement réduit parce que nous avons bien travaillé, si j'ose dire, c'est-à-dire que nous avons bien œuvré, nous avons tous bien agi en notre âme et conscience et que nous avons fait en sorte que les lignes du temps, bah, elles se rapprochent et que donc au lieu que ce soit dans une trentaine d'années, ça ne soit plus que dans 5 ou 6 ans, ce qui à mon sens est bien. Mais ça peut encore changer si beaucoup plus de personnes se réveillent et si beaucoup plus de personnes voient les choses telles qu'elles sont et donc qui se posent des questions et l'éveil suit et voilà, et on est parti. Beaucoup vont prendre le train en route, mais d'autres ne le prendront pas. Beaucoup vont le prendre en route et d'autres y sont déjà. Donc voilà, il n'y a pas de. Puis de toute façon, même ceux qui ne le prendront pas, il n'y a pas de mal à ça. Hein. Chacun fait ce qu'il veut. Il choisit sa vie, il choisit ce qu'il a à faire et il n'y a pas de mal, il n'y a pas de bien, c'est juste comme ça. Voilà, c'est chacun a sa, comment, a sa destinée. Chacun a fait un contrat d'âme avant de venir sur Terre et donc, bah, au final, les gens qui voudront pas quitter le système. Bah, ils se réincarneront peut-être ici ou peut-être ailleurs ou peu importe, dans un monde qui leur rappellera ce système-là, qui sera en évolution et que du coup, bah, ils suivront parce que forcément, on est quand même, la planète Terre est quand même bien, 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 bien derrière pas mal d'autres planètes bien plus évoluées que la Terre. Hein. Là, c'est pareil, on va me dire que je suis fêlée, mais c'est pas grave. Moi, je sais ce qu'il en est. La planète Terre est quand même l'une des planètes les moins éveillées du système, voire de l'univers. Hein. C'est pour ça que nous avons des êtres galactiques qui sont autour de nous. Certains ont profité de notre ignorance et de notre manque de savoir pour se. Bah pour nous mettre en esclavage et pour sortir, avoir, nous pomper nos énergies de façon à ce qu'eux puissent vivre. Et d'autres êtres galactiques sont là justement pour nous empêcher, nous les êtres humains, d'aller trop loin, de faire trop de bêtises. Et bah pour ceux qui veulent évoluer, bah d'évoluer, de monter et en vibration et en énergie. Mais pour cela, il faut déjà que nous, on fasse ce travail nous-mêmes. Hein? Parce que quand on est enfant, qu'on est en train d'apprendre à marcher, bah, nos parents, ils nous tiennent la main,
Néanmoins, c'est à nous de faire le pas, parce que si nous, on ne marche pas, ce n'est pas nos parents qui vont pouvoir marcher pour nous. Là, c'est pareil. Eux, ils sont là pour nous tenir la main, mais si nous, on ne décide pas d'aller vers l'avant, ben, il n'y a rien qui se fera. Donc, voilà, c'est mon point de vue. Et cela ne reste que mon point de vue. Je ne l'impose à personne. Cela ne reste que mon point de vue. C'est ma façon de voir la vie future. Maintenant, chacun a le sien. Hein, et chacun fait vivre ce qu'il veut et comme il veut, et il avance au rythme qu'il veut. Coucou Mac. Donc voilà, tout ça pour vous dire que merci, 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 merci de votre indulgence vis-à-vis du message que vous êtes transmis. Merci de votre indulgence, merci de votre compréhension. Désolée parce que je parle un peu vite et donc j'ai un peu les mots qui s'entremêlent. Et oui, j'essaye de parler aussi vite que je pense, mais c'est pas possible. J'ai encore pas trouvé le système. C'est pas possible. Là, il y a un souci quelque part, c'est pas possible. Donc, ok, Marc, pas de souci. Hein. De toute façon, je mettrai le live sur la chaîne. Il n'y a aucun souci. Merci beaucoup à toi. Et voilà, donc je vais vous laisser sur ces bonnes paroles. J'espère que vous avez réussi, enfin j'ai réussi à faire passer le message, que vous l'avez entendu, que vous l'avez compris. Et ces deux, trois petites infos que j'ai reçues entre-temps. Bon courage à toi. Deux, trois petites infos que j'ai reçues entre-temps. Donc voilà, je vous les ai partagées. Je vous dis à bientôt. Je vais vous souhaiter une bonne fin d'après-midi. Il est quelle heure? 14h57. Donc une bonne fin d'après-midi. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau live ou une vidéo, peu importe. N'oubliez pas, le plus important aujourd'hui, c'est de rester en vous. No, oups. Comme disait le message, ne regardez pas ce qui se passe chez le voisin, regardez ce qui se passe en vous. Prenez soin de vous, restez centré en vous. Tant que vous êtes dans l'instant présent, tout va bien. Et c'est à l'instant présent que vous décidez de votre futur. Donc, restez dans l'instant présent, restez centré le plus possible. Dès que vous voyez que votre mental commence à vous jouer des tours, vous le ramenez. Viens par là, toi. Eh bien, on a de beaux à se dire. Et vous le ramenez et tout va bien. Donc, le mieux, c'est de rester centré, ne pas faire attention à ce qui se passe à l'extérieur. Y prêter le moins attention possible, surtout en ce moment. Donc, fin d'année, début d'année prochaine, les 6 prochains mois. Les 6 prochains mois, ouais. J'ai les 6 mois qui me tournent dans la tête depuis un certain temps. Et là, voilà, je viens de vous le dire. Les 6 prochains mois vont être des mois très compliqués parce qu'il va y avoir soit des révélations, soit d'autres choses qui vont vous et nous mettre la tête à l'envers à tous. Donc, on s'accroche. Et la meilleure façon de s'accrocher, c'est quoi? C'est de se centrer, de faire confiance à l'univers et de rester en paix, en amour, de rester en famille, que ce soit notre famille de cœur ou notre famille d'âme, de rester en famille, de rester entre amis, des amis qui ont la même façon de voir que nous, de rester entre amis et de faire vivre le meilleur. Le meilleur. Voilà. C'est ce que je vous souhaite à tous. C'est le meilleur. Soyez heureux, soyez dans la paix, soyez dans l'amour, soyez dans la joie, soyez dans la lumière, qu'elle vous protège, qu'elle vous guide et qu'elle vous anime au quotidien. Je vous dis à très bientôt. Je vous aime.